Bonjour, moi c'est Pauline. Dans cette vidéo, je vais te montrer ma journée d'hier en Afrique du Sud. Avec mon chéri Paul et un ami Craig, on est allé à quelques dizaines de kilomètres de Pretoria et on cherchait un endroit pour marcher. Mais sur le chemin, on est tombé sur un sanctuaire d'éléphants et de singes. Mais vu que le billet d'entrée était assez cher pour nous, on a préféré juste voir les suricates qu'il y avait à l'entrée. Et ils sont super mignons, mais leurs griffes, regardez un peu leurs griffes. Avec ces griffes-là, ils vous dézinguent un scorpion. Yeah. Yeah, they make noise. Oh, it's those two. Yeah. They're so cute. I want to hold. Don't be too close because it could scratch you, huh? Hello. Mais ils sont tellement mignons, tu trouves pas? En tout cas, c'était très chouette de pouvoir les observer dans ce centre de réhabilitation. Ensuite, on est reparti, et en cherchant un endroit pour marcher, on a vu des ruines qui avaient l'air assez sympas. Alors regardons à quoi ça ressemble. I'd come here and I'd find a way to make the whole roof. Yeah. Ensuite, on a finalement trouvé un endroit pour marcher, un circuit de 7 km. Alors c'est un machin qui est tout organisé, fléché. Fallait juste qu'on signe un papier et qu'on paye à l'entrée. Mais bon, c'était pas cher, c'était très abordable. Ça s'appelle Africa Land et tu vas voir, les paysages, ils changent tout le temps. C'est vraiment super stimulant comme marche. On s'est pas ennuyé une seule seconde. Et à un moment, Craig, qui marchait devant, il a vu un serpent qui s'appelle le mamba vert, Dendroaspis viridis. Classification très dangereux. Moi, j'ai pas vu le serpent, j'ai préféré rester à distance, en sécurité. En tout cas, on a continué notre chemin. C'était un peu rocailleux, mais pas trop. On a fait tout le chemin en basket et puis on s'est bien éclaté, quoi. Ok, maintenant, je te laisse avec les paysages et j'arrête de parler. Oh, good if you pull from here. Second viewpoint. I promise you, you will not feel good.